Bonjour et bienvenue. On continue les petites quêtes de l'événement des zombies avec Escape from Tarkov. Donc, on a une quête assez intéressante. Donc, une où il faut tuer des infectés avec grenade ou lance-grenade sur Ground Zero 35. 35, c'est beaucoup, honnêtement, c'est beaucoup. Et après, on en a une autre, mais elle n'est pas très compliquée. Elle peut faire peur, mais elle n'est pas très compliquée. C'est en équipement de Huntar. Honnêtement, je peux comprendre que cet équipement en fait fasse peur, parce que du coup vous êtes un peu, on va dire, vous n'êtes pas vraiment résistant et tout ça. Et après, il faut utiliser un M4. Donc le M4, honnêtement, vous pouvez le modder, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il faut utiliser ce M4 en particulier. Donc vous pouvez prendre des chargeurs sans, comme j'utilise par exemple, parce que c'est les mêmes chargeurs. Hein. Le MCX et le M4, c'est le même chargeur. Et vous prenez après des balles, la Warmageddon. Elle a un joli nom, elle est où? Elle est là. Non, la War. Oui, si, c'est Warmageddon. Et après, ils mettent Warmage ici. Ouais, donc Warmageddon, 88 de dégâts. Ça perce pas, hein, ça perce pas, évidemment. 88 de dégâts, c'est très très bon. Donc techniquement, c'est mieux que la Whisper, mais la Whisper, en fait, perce un peu. Un tout petit peu. Enfin, quoi? Non, quoique non, en fait, non. Non, la Whisper est quand même mieux dans tous les cas de figure. Oui, non, non. Elle perce un peu. Elle fait 90 de dégâts. Là, ça fait 88. Et ça perce quasiment pas. Il n'y a que le saignement, si vous en avez quelque chose à faire. Donc oui, c'est pour ça que j'utilise le MCX, du coup. Oui, c'est logique. Mais voilà, vous utilisez de la Warmageddon, ça devrait bien se passer. Donc il faut être très mobile et courir, honnêtement. C'est sur quelle map? C'est sur quelle map? J'ai pas trop fait attention, en fait. C'est sur Streets. Streets, il y a beaucoup de voitures et tout ça. Alors il peut y avoir énormément de zombies, hein, bien sûr, si vous êtes seul, ça peut être dangereux. Ne vous foutez pas dans les bâtiments, à moins que vous sachiez en fait ce que vous êtes en train de faire, évidemment. Mais sinon, sur les toits d'une voiture ou d'un camion ou d'un truc comme ça, et vous les tuez petit à petit. Ça peut aller très vite, honnêtement. Ça peut aller très très vite. Ou alors vous courez. Et vu que vous allez avoir cet équipement, vous êtes léger, donc vous prenez un peu de distance en fait comparé aux zombies. Prenez pas des sacs avec des gros debuffs de vitesse, hein, évidemment, faites attention à ça. Parce que là, vous regardez, là on a par exemple mouvement speed. Je crois que ça influe aussi sur la course du coup, hein, le mouvement. Donc là, on a moins 4%, donc prenez d'autres sacs en fait. Ou alors pas de sac du tout, tout simplement. Pas de sac du tout, c'est très très bien aussi. Il y a un truc que j'ai toujours voulu dans Escape from Tarkov. C'est que, alors je sais pas si on peut, mais normalement on peut pas, hein, je pense pas en tout cas, donc si jamais j'ai faux, dites-moi. Mais c'est de voir en fait tous les malus qu'on a en tout. Parce que genre quand on regarde l'armure et tout ça, là on a 11%, 15,5% et tout ça. Mais genre tous les malus cumulés, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'il y a un moyen en fait de voir quelque part les malus qu'on a? Et ça, je trouve que ça serait très très intéressant en fait. Quand on a des événements qui demandent un peu de précision par rapport au mouvement et tout ça. Donc ouais, ça c'est un peu bête. En tout cas, on va faire les kills aux grenades. Alors, les grenades, ça peut être dangereux. Alors, il y a les Vogue 25 qui mettent 2 secondes pour exploser. Donc, c'est techniquement les meilleurs si vous voulez tuer vite, en fait. Par contre, les zombies, en fait, vous foncent dessus. Donc, ils vont être très, très vite sur vous. Donc, balancer ça devant vous et tout ça va être un problème, évidemment. Donc, il faut faire gaffe. Je dirais quand même d'utiliser des M67. C'est 5 secondes d'explosion. Ça vous permet de la balancer même genre à vos pieds, de courir, et le temps que ça explose, les zombies devraient être genre vers la grenade, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, essayez de jouer sécurité plutôt que être voilà, d'essayer de faire des choses un peu dangereuses en fait. Et après, il y a les tripwires. Je voudrais bien tester en fait le tripwire avec la Vogue 25. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Le problème, faut que je boive un peu déjà parce que j'arrive plus à parler. Le problème, c'est que je me rappelle plus de la touche pour armer la grenade en fait, pour mêler le tripwire avec la grenade. Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Mais ouais. Alors après, j'ai pris des impacts. J'en ai quelques-unes de côté, donc ça va. Faites attention aussi, prenez les bonnes impacts. Enfin, les bonnes impacts. Prenez celles que vous voulez. Genre là, moi, j'ai pris celle-là avec le radius le plus petit. Après, il y a l'autre que c'est pas RGN, c'est RGO, je crois. Vous avez jusqu'à 7 mètres, en fait, l'explosion, le radius de l'explosion. Donc, je pense que ça peut être dangereux pour moi. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, c'est encore une fois, hein, c'est fait un peu au mieux. Mais ouais. Après, dans Grand Zero, il y a un emplacement d'un lance-grenade. On va sortir en risté aussi parce que hier, je me suis pris une balle de 45 ACP. AP.
Du coup, et ça passe la 4, et du coup, mon casque, en fait, Ronin, que j'ai d'habitude, m'a pas sauvé la vie. Hein. Je me suis pris la balle dans l'oreille, je suis mort instant, d'un zombie, évidemment. Donc, je ressors un peu le risté, en fait, tout simplement. C'est de la classe 5. C'est l'amélioration de l'altine, si vous voulez un exemple. L'altine, vous pouvez l'acheter, je crois bien, enfin, un échange avec un marchand, et après, vous pouvez le transformer, vous pouvez prendre un risté et le transformer en altine. Pardon, vous pouvez prendre l'altine et le transformer en risté quand vous avez fini une quête. Donc c'est pas mal. Et moi je l'ai fini cette quête-là. Donc j'ai des ristés partout. J'ai plein de ristés. Après moi ça me dérange pas de jouer avec un casque qui comment dire bouche un peu la vue. Donc bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Beaucoup de gens détestent en fait ce genre de choses, mais bon, moi ça me dérange pas. Je sais que je suis un peu plus lent sur mes mouvements, surtout dans les couloirs en fait, parce que vu que je vois pas très très bien les coins, donc je fais un peu plus attention. Je vois une différence en fait, mais bon voilà, après ça me dérange pas plus que ça. Donc on va jouer comme ça. Donc je vais essayer de faire un tripwire, mais bon, Ground Zero c'est pas si grand que ça au final quand les ruelles sont blindées de zombies, donc je sais pas si ça va être utile. Donc on va voir ça. Et comme j'ai dit, il y a un lance-grenade, il y a un emplacement de lance-grenade, mais je sais pas si on va pouvoir l'utiliser en fait. Déjà, on va essayer de pas crever, ça serait déjà bien. Alors, prévoir la grenade. C'est quelle touche? B tripwire. Ok, ça marche. Donc c'est bien B. Quoi? Mais c'est pas à 100%? Ah bah c'est bien. Ils ont couru. Il y a un truc derrière moi. Ah putain, c'est à 200. Il y a un bug depuis cette mise à jour où les viseurs en fait ils se mettent au maximum. Et là, mon zeroing il est à 200. Je sais pas vraiment pourquoi. Pas mal, non? Pas mal, hein? Ah, par contre, je me suis pas piqué. Non, mais en fait, ça me tirait dessus. Ça me tirait dessus, tout simplement. Je sais pas s'ils peuvent venir, là. Normalement, non. Non, on est bon. Pas mal ça. C'est pas mal ça, non? On sait tout piquer ou pas? Non, y a... Oh la vache. Alors, on va essayer d'aller à l'emplacement du lance-grenade. J'ai mis le son méga fort, je suis en train de me rendre sourd avec les tirs du MCX. Oh la vache. On en a fait combien là? Là on s'est bien débrouillé là. Eh, 16, c'est pas mal hein. Bon maintenant il nous reste que le lance-grenade 4 et 4 RGM, ça marche. Non, mais les tirs qu'on a entendus, ça devait être un zombie qui m'a vu de loin et qui me tire dessus, en fait. Alors, j'ai des... dans le lance-grenade, faites attention à ça aussi, vous avez deux types de grenades. Vous avez des grenades qui pètent à plus de 20 mètres et des grenades qui pètent avant 20 mètres. Là, ce que j'ai dans le lance-grenade, c'est plus de 20 mètres. Donc, en théorie, je peux pas me suicider avec.
Ok, est-ce que je peux un peu fouiller? Oh mon dieu. Est-ce que je peux un peu fouiller? Pour des citrouilles peut-être. Les citrouilles, je crois qu'ils ont baissé le taux d'apparition des citrouilles. J'en trouve quasiment plus. Après, je vais être franc, j'ai pas cherché plus que ça. Mais je crois qu'ils ont baissé un peu le taux là. Ah oui, et on peut toujours avoir Tagila aussi. Facto, je crois... Oh mon dieu. Facto est à 0%, je crois bien. Mais je crois que Tagila traîne toujours, en fait. Tagila infecté, il traîne toujours. Donc faites attention à ça. Aïe. Oh merde, mon endurance. Ah, je suis un peu lourd à cause des grenades, ça pèse lourd, c'est merde. Bon, là, on est en train de beaucoup tuer à l'arme. C'est un peu con, je sais, mais... C'est un peu dangereux. Alors, on va tenter le lance-grenade. Je sens que ça va me coûter ma vie. Parce que je pense qu'ils peuvent venir... Attendez, il me faut un peu d'endurance. Le lance-grenade des montées, hein, je parle. Hein, pas du mien. Est-ce qu'ils peuvent venir? Ah! Oh, merci Nikita. Tu gères. Merci Nikita. Ok. Dieu Nikita nous a permis d'avoir cet endroit qui est safe. Je pense. Vu qu'ils ont fait directement demi-tour, ça veut dire qu'ils peuvent pas venir. C'est pour ça que j'ai laissé la porte ouverte. Ah, bah, je crois que là, on va avoir la réponse très vite. Ah, j'ai fait 25. Ok, on est bon. Nickel. Parfait, très bien. Ah, attendez, 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 attendez. Vous êtes où ? Ouais, putain, faut être genre là, quoi. Ouais, là, il me faudrait des grenades 5 secondes. Ça serait parfait. Là, je vais pas y arriver, là. Ok, c'est pas mal. En plus, l'extraction, je crois qu'elle est juste là. Nakatani Basement Stairs, ouais. On en a eu beaucoup là ou pas? Ouais. Ah! Alors. Ah non, ils sont partis. Ah si, j'en ai eu un. S'ils se mettent là, je pourrais essayer une RGO, la RGN. Je sais pas à quelle distance elle s'arme. À quelle distance elle s'arme? Je sais pas. Je sais pas si genre elle explose à mes pieds ou elle explose à une distance. Je sais pas du tout. 22-35, ça va. Alors, le lance-grenade, il est ici. Alors, par contre, quand vous allez vous placer, vous allez être un peu bloqué. Ouais, un peu bloqué dans l'animation. Donc, ça va être très dangereux, en fait. Ouais, non, mais laissez tomber, en fait. Non, mais laissez tomber. Non, mais utilisez pas le lance-grenade. Honnêtement, c'est super dangereux. Ne le faites pas.
Je vous dirais de pas le faire. Parce que vous allez rester sur en animation, en fait, déjà de charger le lance-grenade. Et après, enfin, restez dessus, les zombies vont vous tirer dessus et tout. Non, mais le faites pas. Franchement. Non, 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 non. On va pas le faire. Du coup, on a presque fini. 24, putain. Pas vraiment presque fini, en fait. On a encore d'autres, je crois. Non. Bon, je vais vous montrer, c'est pour la science, mais c'est chaud, quoi. Vous voyez, là, vous pouvez même pas partir, je crois. Ok, maintenant, vous pouvez faire ça. Et ça tire un peu sur la gauche, j'ai jamais trop compris pourquoi. Ça tire dessus. Je sais même pas si j'en ai touché. Je sais même pas si ça compte. Bah, techniquement, ils disent lance-grenade, donc oui. Mais bon, je suis pas sûr. Il faudrait des boissons, j'en ai vu là-bas. Bah, là encore. Très bien. Bon, on va devoir faire un train. Waouh, c'est quoi cette connexion là? Ah, c'est bien les serveurs. Vous avez vu, il y a l'icône à chaque fois en haut à droite. Ah, juste à temps, merci, je commence à m'embêter. Bah, je vais être honnête, mettez-vous là en fait. Ça a l'air d'être tranquille, hein. Faut juste les faire venir. Après, faut avoir les munitions aussi pour les tuer, hein. Là, j'ai peur de sortir avec les lags. Regardez-moi ça, ils sont mignons. Oh mon dieu, j'ai peur de me faire péter avec ça. Pas mal. Alors là, c'était pas mal. Là, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ouais, il nous en reste deux. C'est largement suffisant. Je sais, j'ai pas mon sac. Ah, ah, cours, bordel de merde! Oh, le fait qu'il fasse pas de bruit, putain! Oh mon dieu, oh le jumpscare quoi. Oh. Ah, j'étais pas prêt pour ça. C'est mon premier raid de la journée. On est samedi soir, il restait calme. Pas encore totalement le soir, mais oh la vache. Ah, la peur quoi. Ah, le gros jumpscare que j'ai eu. Bon, vous pouvez venir, bande de cons. Putain, j'ai eu peur. Mais ça, c'est pas à cause de mon cas, ça, c'est à cause du nouveau son, en fait. Vous voyez, on les entend difficilement courir, en fait. Oh! Oh! Par contre, ça, c'est un peu... Let's go! C'est bon. Bon, bah, du coup, un lance-grenade, on l'a pas vraiment utilisé. Yes, pour être sûr que ce soit la bonne quête. Bon, techniquement, même s'il nous arrive malheur, on a fini. Il y a des gens, je crois, qui savent comment sortir d'ici par la fenêtre sans mourir. Je crois qu'on peut se mettre sur les vitres en bas là. Oh la vache, bordel de merde. Les vitres en bas et après directement descendre au sol. Je crois qu'on se pète pas les jambes, mais je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr en fait.
Il y a pas un là quand même. Non, ils sont en dessous. Mais voilà, moi j'aime bien faire ce genre de petites missions parce que des fois ça aide aussi pour les gens de leur donner en fait une idée de comment faire la mission. Il y en a une que j'ai pas enregistrée, j'aurais dû l'enregistrer honnêtement, parce que je sais que beaucoup de gens en fait m'ont dit qu'ils avaient eu des problèmes. C'était tuer des zombies à plus de 70 mètres sur réserve. Moi je l'ai fait, ça m'a pris 3 raids je crois, j'ai pas eu beaucoup de chance en fait. Ça m'a pris 3 raids, j'aurais dû l'enregistrer en fait. Pour essayer d'aider les gens et de donner peut-être des idées. Genre sur comment l'accomplir. Mais j'avoue qu'elle était un peu chiante celle-là. On prend ça, c'est bien parce que ça nous met un debuff. Normalement, ouais voilà. Hydratation. Donc du coup ça va augmenter notre immunité. Vraiment cool. Bon, on va pouvoir partir. Bon, maintenant. On doit pas aller très loin. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, je crois. Alors attendez. Enfin, ça, on n'a techniquement pas besoin, mais on va faire ça en tout cas. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup en dessous de moi. Ah, mais j'ai toujours pas changé le. Ah, attendez, attends. Pour ça que je me disais que ça tire haut en fait. Voilà, 50 mètres. Oh merde! Je vais être franc, j'ai envie de sortir par la fenêtre moi. J'ai vraiment envie de sortir par la fenêtre. Oh la vache. On va faire un truc. Ça. Aïe. J'aurais dû mettre un anti-saignement, mais on a 60 secondes de super régène. Fait chier, on s'est black une jambe, ça c'est con ça. Ça c'est très très con. Mais c'est pas grave. Le régène est tellement fort que ça contre genre les gros saignements, genre même deux gros saignements. Vous voyez, on est dans le vert, alors qu'on a saignement et on était dans le jaune. Le TG, le steam vert est extrêmement bon. Donc si jamais vous avez un problème de saignement, même de saignement, et genre vous allez. Imaginons que vous allez perdre la tête ou le torse ou des trucs comme ça. Piquez-vous avec ça en premier, au lieu d'essayer de vous soigner, de traiter les saignements en fait. Soignez-vous avec ça. Faites voir un peu. Ouais, la M67, elle a bien fonctionné. MSGL, ouais, ça aussi c'était pas mal. Ouais, folle. Ah, j'aurais dû me soigner, j'ai été con. Donc ouais, pensez à ça. Le vert, le Steam vert, il est un peu cher par contre. Il est un peu cher, c'est pour ça que je l'utilise très très rarement. Mais celui-là, il vous sauve la vie très facilement. Je crois qu'il peut contrer. Quand je dis contrer, c'est-à-dire qu'il va régénérer plus que ce que vous prenez en dégâts. Je crois qu'il peut passer au-dessus, genre deux gros saignements et peut-être un petit en plus. Je crois. Tellement qu'il est fort en fait, le régène. Donc c'est vraiment pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Mais je crois qu'il est un peu cher. Ah, il a. Oh, le mec. Putain, on devrait en acheter plusieurs, quoi. Ça fait un peu cher pour en acheter 5, mais. Mais. Ah bah tiens. Je crois qu'il y a une personne qui a eu la même idée que moi. Il s'est dit, tiens, il y en a beaucoup, on va en acheter. Il y avait quoi là?
Non, il était là et ça. Voilà. Mais ouais, celui-là est vraiment cool. 6-5 de Regen. Ben voilà, on a fini. Bah, je vous conseille les RGN. Bon, si vous trouvez un emplacement comme le mien, ou vous prenez l'emplacement que j'avais, évidemment. Après, si vous voulez courir, ou alors genre faire les toits de voiture, courir, genre à l'extérieur, je vous conseille quand même la M67. C'est un long temps d'explosion, mais ça vous permet de vous mettre à l'abri, parce que c'est quand même super dangereux de jouer à l'impact. Ou alors à la VOG 25, c'est 2 secondes. C'est quand même super, super dangereux. Donc, ouais, essayez de ne pas vous faire péter la gueule, quoi. Bah, c'est très bien. On a donc fini notre petite quête de Prapor, notre ami Prapor. Ça met du temps à chaque fois. Truest of all warriors. Waouh. Truest. Le véritable guerrier, gros, en gros. Bon, bah, c'est très bien. Il nous donne quoi? J'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il nous donne? Fais voir, c'est un peu la gueule du truc. Il a l'air joli. Hein. Il est super joli. Le AKMSN. Ergo de merde. Bon, ça c'est. Ok. Alors, il est joli. C'est juste qu'il est joli. Hein. On peut nettement l'améliorer. Hein. On peut nettement l'améliorer. Moi, j'en ai fait un AKM, je crois. Le SN, non. Le SN, je l'ai jamais utilisé, je crois. Après, je sais pas si. Ouais, la version SN, non, jamais fait. Mais après, j'en avais fait un, hein, je crois que c'est celui. Non, c'est ça, AK-12. C'est un SEC 45. Non, j'en ai fait un, mais je me rappelle plus où il est. Y a le AKM que j'ai fait comme ça, ouais. 15 d'ergo, mais il a un chargeur 50. 157 de recul, et avec lance-grenade. C'est le même calibre, c'est bien ça? Oui, c'est pareil. Ouais, celui-là, il est pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Après, je vais être honnête, je déteste ces balles-là. Hein. Le 762-39, je déteste ces balles-là, je les trouve pas assez bonnes. En fait, non, c'est pas que je les trouve pas assez bonnes parce qu'elles ont été buffées. Je trouve que l'arme en elle-même tire pas assez vite pour le type de balle, en fait. On est toujours bloqué à 600 RPM. Si vous voulez tirer la BP très vite, il faut d'autres armes. Et ça monte pas vraiment très haut, en fait. Il faut ça, je crois que c'est 650. Voilà. Vous avez la Mutant qui est 650. Donc, techniquement, la Mutant est mieux que tous les AKM qui existent. Que les voilà que parce que c'est le même calibre. Donc je dirais de privilégier le mutant 650 RPM. Après on peut mettre un lance-grenade ici. Voilà, c'est un peu l'avantage, c'est bien. Mais sinon RPDN pardon, 700 RPM, voilà, et c'est ouais, c'est 732-39. Utilisez ça à la limite, voilà, 700. Là vous découpez, là vous découpez. Là ça passe. Mais cette balle-là, j'aime pas du tout. J'ai jamais aimé. J'ai vraiment jamais, jamais aimé. J'ai toujours eu des mauvais retours en fait avec ça. Après, il y a la MIAP qui est vachement bien, mais je ne sais pas comment on la débloque. Après tout ça, c'est des balles un peu moins bien. La HP non plus, elle est pas bien. Ouais, non. C'est pas vraiment intéressant. De toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Je voulais juste un peu montrer. Parce que vu qu'on a ça. Ouais, la MAI. AP, donc ça passe quasiment la 6 en fait. 53 de dégâts, ça c'est bien, ça c'est une bonne balle ça. La BP pour moi elle est pas assez bonne. Enfin elle est pas. Non, encore une fois, c'est pas le problème. C'est pas qu'elle est pas assez. Elle est pas assez bonne pour la vitesse de tir. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est ça. Elle est pas assez bonne pour la vitesse de tir. Voilà. C'est juste ça ma remarque que j'ai à dire. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Je vais pas faire de vidéo sur. Ah! Une petite parenthèse, si vous cherchez du coup les VOG 25, là pour le lance-grenade, que vous êtes fan par exemple, on peut les vendre celles-là. Donc profitez-en. Moi j'ai fait une quête, donc Prapor il m'en vend une fois tous les 4 heures ou un truc comme ça. Mais profitez-en parce que la quête vient juste de sortir, donc les gens qui n'ont rien à faire en fait de ces grenades vont les vendre et pas cher techniquement. Donc profitez-en, achetez-en plein si vous voulez. Mais ouais. Ouais, non, on va pas faire la quête d'après. Enfin, je vais pas en faire une vidéo parce que c'est pas vraiment intéressant. Non, c'est pas vraiment intéressant. On va se mettre en Huntar. Je vais prendre un M4 complètement modé. Et on va prendre des balles de Warmageddon, comme j'ai dit. Donc ça va être fait très vite et c'est pas compliqué.
En tout cas, on va s'arrêter là. Il y a la spire en cadeau. Donc, faites cette quête plutôt que les grenades, j'ai envie de dire. Parce que la spire, c'est une arme extrêmement puissante et extrêmement rare. Bon, par contre, vous avez de la FMJ. Vous n'avez pas de l'hybride à la place. Mais la MCX spire est très, très bonne. En plus, elle a l'air modée. C'est bête qu'on ne puisse pas double-cliquer dessus. J'essaye, mais on ne peut pas. Voir, parce qu'elle a l'air d'avoir un scope et tout ça. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les petites vidéos comme ça de certaines quêtes, en fait. En fait, j'essaye de faire, comme j'ai dit, hein, j'ai dit ça plusieurs fois, j'essaye de couvrir en fait l'événement dans sa globalité. Je sais qu'il y a des quêtes que j'ai pas montrées et je regrette un peu en fait ce que j'avais pas enregistré et tout ça. Je pensais pas en fait que ça allait, on va dire, un peu mieux marcher que d'habitude, les vidéos Tarkov. Donc du coup, voilà, j'ai pas tout enregistré. Mais voilà, j'essaye de couvrir le plus possible maintenant pour ce qui est des événements à chaque fois. Donc même les petites quêtes comme ça, genre une vidéo par jour, voilà, c'est sympa quoi. En tout cas, regardez dans la description si vous voulez voir la playlist pour plus de Tarkov. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.